Bonne nouvelle pour le pays. Bagayo prend yon l'autre phase. Eh bien, m'te dit nous que c'est joie qui arrive pour pays d'Haïti sauvé. Jean pour pays d'Haïti sauvé a l'a sauvé. Mesdames, messieurs, nous gagnons ambassade Mexique en Haïti là. Et qui t'a le fond chita parler avec Ricardin Saint-Jean qui c'est ministre commerce là. Nous t'a le comme ça. Nous parlons pour plus de détails pour vous et nous parlons pour d'informations ça pour nous dire. Comment bagay la yi, à comment bagay la bayi. Et mesdames, messieurs, deuxième information nous gen jodi a la, nous gen agent Bessapio la qui arrêté plusieurs haïtiens qui fait contrebande qui passe dans zone qui pas sécurisé, yo entré dans République Dominicaine, yal acheté vieux régime manger yo, yo monté sous frontière avec régime manger. Et bien, moun sa yo mesdames, messieurs, yo en bas code là. Actuellement, population campé red, yo di a continuer bay Abinadel calotte parce que ça monsieur te pensé a c'est pas ça li vraiment. Gros bonjour, gros bonsoir, selon le hop gade vidéo ça et n'ap di bienvenue sur Stand Up La Caille, bienvenue sur Zenet Haïti. Alors si pourquoi abonner avec channel ça, on a invité sur vidéo ça même abonner et l'on fin abonner. Pas oublier cliquer sur cloche de notification, retirer sous option personnaliser a. Voyez là sous tout pour qu'à recevoir toute information nous yo en notification. Alors mesdames, messieurs, jodi ça là, nous c'est combien jodi à là? Nous c'est 12 octobre 2023. Eh bien, point qu'a fait actualité là, m'a capable dit ça, son bonne nouvelle pour pays d'Haïti. Côté pays Mexique, li décidé ouvrir commerce avec pays d'Haïti. Eh bien, ambassade Mexique en Haïti, nous connaissons qui est Mexique la donne. Alors, Mexique, ça, yo font délégation, yo dirige yo directement vers Ricardin Saint-Jean, qui c'est ministre commerce là, yo chita parler sous affaire commerce, relation commerce qui a gagné entre Haïti et Mexique. Mesdames, messieurs, c'est Konya Luis Abinadel pral nan problème. Monsieur ouvri frontière, monsieur t'es sorti pour l'ouvrir frontière dans jour qui était 11 octobre 2023, qui ça monsieur débarrassé. Monsieur pensé haïtien t'a poté boué. Monsieur pensé que haïtien t'a poté boué là l'ouvrir frontière. Eh bien, pendant monsieur ouvri frontière, lui ouais haïtien rete intact, pas gen haïtien qui pote boué sous frontière parce que nous-mêmes mesures monsieur prend yo, ce ne sont pas des mesures qui en faveur nous. C'est pas mesure qui en faveur nous. Alors et si monsieur était prend même mesure avant yo, on croit que peuple haïtien était ca quitter, t'ca marrer yeux yo ou bien faire boucher tourner yo bre de l'eau. Mais n'a regardé là dernier rond ça, Luis Abinader prend là, mesdames monsieur, c'est premier président moi pour rond comme ça depuis mené d'existence monsieur parce que l'on regarde l'on font déclaration au campé. Dans un premier temps, M. Kapé, M. Dédi que si Haïtien pas quitté canal là, il ne peut pas parler, il ne peut pas dialoguer, il ne peut pas faire rien, il ne peut pas ouvrir frontière, il ferme frontière. Ok? Bon, là, ça a déjà son autre côté que M. décide d'ouvrir frontière parce que tout hier là, c'est travail qu'a fait jusqu'à présent, canal là, mon pas travaille sur canal là. Ça a son autre. Monsieur vient ouvrir frontière, il ouvre frontière, il pense que Haïtien a pas le pote boué, bon, Haïtien n'a pas le boué. Tant pour Haïtien ta pote boue, geti espace fermé, Haïtien a fermé espace yo. Mesdames, messieurs, nous voyons que nous vivons dans le joie vraiment. Nous vivons dans le joie pour nous sauver le pays. Alors, liberté ça, nous te prenons indépendance en 1804. Nous comprenons que après l'indépendance, l'assiette de l'économie du pays est à zéro parce que nous te boule plantation, nous te boule tout ça, nous te gagné, mesdames, messieurs, pour nous te prendre indépendance. Mais, jodi à la, si nous décidons de réparer ça, pas qu'il personne qui ka kembe nous, faut que nous réparer erreur que nous te fait, ou bien erreur, ancien ancêtre yo te fait erreur, yo te boule plantation nous, eh bien, jodi à nous décider réparer erreur ça, mesdames, messieurs. Alors, nous avons Mexique là qui en disposition pour faire commerce avec le pays d'Haïti. C'est ça que nous avons dit dernièrement. Nous avons dit que faut nous déboucher et faut nous chercher un autre pays en fait pour nous faire commerce. Pour nous pas dépendre des républiques dominicaines parce que pays ça son pays raciste pays voisin ça nous capable dit président Luis Abinader son fréquent à l'infinitif monsieur alors faut nous bail monsieur yon leçon. Et bien madame monsieur sans perdre temps en attendant ti audio ça non ti temps comme ça n'a pas tourné encore monsieur le David Sosa monsieur son parlementaire dominicain monsieur c'est sénateur d'Arbonne monsieur déclaré que date 11 octobre là l'a prêté tout noir dans l'histoire de la République dominicaine.
et monsieur avoué que yo perdu bataille. Calotte Marassa. Qui donc, yon moun pas besoin lunette pour être dominicain yo, pour être Abinadel souvle avec sa passé ou à la mettre hier là, prend calotte là, mais y figil. Yon moun pas besoin lunette pour être Abinadel ou être confiant. Si c'était le billet là, il était vers 20 ans, monsieur là, réfléchis. Comment qu'elle a dû se faire, il est encore en temps. Après ta délai, ouais. Mais nous autres, si nous avons aller plus loin, nous avons dit tout carrément que nous estimons que jusqu'à présent, hein, Abinadel a perdu deux grandes batailles. Mais attention, hein, si nous d'accord que la République dominicaine en guerre contre nous, ou bien Abinadel en guerre contre le peuple haïtien, eh bien, il a perdu deux batailles, mais il n'a pas perdu la guerre. Et à ce moment-là, j'appelle à la vigilance, souvenez, de la population haïtienne. Il faudra qu'on soit très prudent, Grégory Lubin. Oui, on a perdu deux batailles toujours, la première bataille. Abinadel, t'es posé arrêt travail, construction canal là, comme condition sine qua non, non seulement pour dialoguer avec Haïti, mais pour retourner sous décision au don, qui se ferme sur frontière là. Eh bien, il prend décision pour relouvrir frontière canal là, par exemple, non? Là, par contre, c'est très sérieusement là. Jusqu'à hier encore, coup de tir, elle a brûlé. Donc, ça, son premier bataille, il est perdu. Mais deuxième bataille, Abinadel perdu guerrier du sel. Je ne dis pas à l'heure. Il pensait, Haïti, après, ils font poté bourré. Puisque nous, gen kob nan men, nous, si nan men, n'a pas acheté, nous, dit pour nous vivre, c'est li pour nous manger, produit première nécessité ou bien produit alimentaire. C'est nan men, nous prenons. Donc, je pense que nous avons souffert longtemps avec frontière qui était fermée pendant presque un mois. Et que une fois que les relouvrit, nous avons le fond pour te bourrer vite pip. Eh bien, Abibi semblait mon chapitre les patelines dans le livre. Et que nous autres, nous devons anticiper. Donc, jusqu'à hier, Haïtien pas mettait point de pied. Nous sommes capables de dire Grégory Lubin. C'est comme une victoire du côté haïtien. Mais qui est-ce qui gagne mérite là? Est-ce que nous capables de dire c'est Moun Wanamet qui gagne mérite ça qui passé hier là? Est-ce que c'est l'État haïtien? Et quel taillon ou l'autre pour combien de temps encore n'a pas kembe avec mesure pour kembe frontière pas nous enfermer ou bien barrière pas nous enfermer même leur ouvrir pas yoa? Est-ce que tous ces mêmes mobilisations, hein, en parlant de mobilisation, voilà maintenant, qui gagnaient sur les autres points frontaliers officiels, pas bien non, Grégory Lubin. Haïti, avec la République dominicaine, a pratiquement plus de 90 points, ils partagent ensemble, points frontaliers. Ça veut dire ça. Dans plus de 90 là, à peine s'il y a 4 à 5 qui officiel. Côté l'État présent, douane présent, et là m'a parlé de l'État des deux pays. L'État dominicain présent, l'État haïtien présent sous une forme ou sous une autre, douane ou AVCT, et l'autre structure qui dans question droit monde, tout ça. Yo. Donc est-ce que c'est le même cas de figure en parlant de Wanamet pour l'autre point frontalier? Nous connaissons. À part de Wanamet Dabon, qui c'est côté focus la terre là, gagne tout Malpass Jimani, gagne Belader Elias Pignas, gagne en sapitre Pédernal. Est-ce que c'est même mobilisation? Maintenant, on essaye de répondre à une question sérieuse que nous avons posée avant. L'endab dit à qui est ce mérite là, mais ça qui passe hier là. Est-ce que c'est l'État? Bon, mettons ti Astérix là. Avant hier, nous avons eu un échange très fructueux
avec notre collaborateur, notre grand frère Denel Saint-On, qui lui-même a fait des analyses qui peut-être pas de paraître populaire, si vous voulez, dans les yeux qui t'ont entendu, mais qui était très sensé, qui était bien sensio, Grégory Lubin, qui peut-être pas fait l'unanimité, voilà le mot, mais qui était bien sensio. Si bien que, de côté, Denel Saint-On est arrivé, l'étape évoquée, question décision Abinadel retourner sous l'IA qui s'est relouvri frontière avec Haïti. L'analyse d'IA l'était souligné que l'État haïtien, dans le cadre diplomatie de l'intelligence que Denet a évoqué, capable d'utiliser décision Abinadel prend pour relouvrir frontière comme un outil de négociation, comme un outil de dialogue. Elle dit pas un problème. Comme ou dit m'kampé canal là pour parler avec et moi-même, moi, quoi Dieu comme faire ce dialogue seulement qui permettre mon dénouement et permettre que relation entre deux pays vienne même j'en été avant. Et moi, me décider ou bien pays ne décider pas camper canal là. Donc, ou même comme on dit, ou après l'ouvrir frontière. Nous sommes capables de poser ça comme condition. Je ne dis pas qu'il y a problème pour me parler avant. Mais il y a un problème pour frontière. Puis on te fait de manière unilatérale. Moi, je décide de faire une fois ça. Donc, pour me l'ouvrir, il faut que nous ne parlions pas tout. Nous te concédons de venir ça. Nous te concédons. Nous te dis oui, c'est dans l'ordre des choses possibles. Et c'est ton approche qui était fondée. J'aime dire tout à l'heure qu'il y a tout ça. Mais quand il y a là, moi, j'étais très sceptique encore. Pour qui ça? Moi, je vais nous carrefour côté ma mandem. Est-ce que modèle l'État, ça n'y est là, guerrier, Dieu seul, Grégory Lubin, il y a une dimension ça? C'est pas parce que vous avez des think tanks au niveau du gouvernement, au niveau du pouvoir, qui est capable de réfléchir sur des questions comme ça, non? Je ne dis pas ça. Au contraire, nous reconnaître la plupart du temps qu'on paquette les cerveaux qui investissent espace pouvoir. Et qui fait de grandes études. Qui est docteur, qui est master, qui est expérience, qui n'a espace pouvoir, qui n'a couloir pouvoir, qui travaille avec un ensemble d'autorités ici. Nous permettons capacité intellectuelle, académique, ensemble de monde en deux. Même là, néglater mettre ta brille de yon, automatiquement le rivant dans l'État, automatiquement l'investi espace décisionnel, ou bien l'impression que le vin saute, parce que c'est pas un PC. Il vient en l'autre monde. Il vient en l'autre monde. Et même nèg ça ou te ka di waouh ouais, monsieur son grand homme mais l'est arrivé dans pouvoir dans l'idée pour le conserver pouvoir tellement belle il pas perdu nèg ça vient de knowledge bon des fois dit quête mais c'est pas professionnel ça me déconnecte de l'autre côté de la barrière mais qu'est-ce qui lui est arrivé non sou comprendre pouvoir changer nèg ici donc son façon pour nous moi me pas mettre en doute et capacité nèg dans pouvoir à tous les niveaux hein que ce soit au niveau des directions générales des ministères que ce soit au niveau de la primature et autres. Donc, on connaît des nègres qui connaissent, qui connaissent, qui à l'école, qui sont très formés. Même si les nègres viennent dans l'État, ça fait l'autre, ça le bail à régler. Donc, moi, je dis, est-ce que l'État, ça n'y est là, gagne dimension ça, pour jouer quatre diplomatiques ça, à l'intelligence, Jean, Denel Saint-On, lui-même, il était peut-être à peu essayer, faire nous comprendre ça à travers des paramètres qui sont tous sociaux, je ne l'ai dit tout à l'heure. Et doute moi après le renforcer, c'est là m'a regardé comportement ensemble autorité locale yo. Doute moi après le renforcer, c'est là m'a tendé déclaration ensemble d'autorité locale. Parce que on va être comme ça. Ou d'accord, comportement autorité locale yo doit planifier depuis dans l'état central. C'est des instructions formelles que l'état central t'a bien pour le passer à autorité locale yo pour dire OK, voilà. Même si ce n'est pas des bagailles qui sont officielles, mais de manière officieuse, pour dire, mais qui ça nous doit gagner comme comportement. Même après des nègres au niveau du Nord-Est, où est-ce que des nègres sont improvisés? Je vais vous donner un exemple qui est simple. Mon chef qui parle à la richesse pour là, qui est correspondant permanent nous, dans le Nord-Est pays. Ou t'as dit, monsieur, dit, bon, c'est nous-mêmes qui prenons décision ça, mais nous avons carré, nous l'ayons sur le bail comme ça, nous voyons l'État central. Il n'y a pas de bail comme ça.
Si c'est l'État effectivement qui t'a pas agi, si c'est l'État qui t'a pas répondu ça à toute fourmi, ou bien si c'est l'État qui mérite ça qui passe à là, pour jouer mercredi 11 là, il n'y a pas de jouer comme ça, il n'y a pas de jouer comme ça, il n'y a pas de jouer, il n'y a pas jamais de jouer comme ça. Tout le monde n'y a pas de jouer jamais comme ça, pardon. Tu dois gagner des instructions formelles qui passent à l'autorité locale, notamment sur les communes frontalières, pour dire, ok, mais 1, 2, 3, 4, qui ça continue. Maintenant, les magistrats vont mettre là hier, nous sentons qu'ils n'ont pas forcément maîtrisé, bah, yo, ou pas, son homme d'État qui a parlé. Désolé de le dire, mais par contre, n'est pas ni en pète, c'est sur le réseau. Mais je n'ai pas senti que son homme d'État qui a parlé. Là, on t'a parlé de rencontres qui sont gagnées, et bien entendu, hier, avec douane et puis immigration militaire, l'autre bois. Là, elle sorti de l'autre côté, la rentrée journaliste a posé la question. Je n'ai pas senti un homme d'État qui a parlé. Donc, il me dit, ah, pourquoi l'État vraiment a emprunté dans ce qui passé hier là? Ah, bah, on est même. Et m'sot dit tout à l'heure, si l'État gagne après lui, faut au moins disposition ça prend dans tout point frontalier officiel yo. Ça veut dire qu'il a même disposition qui prend pour frontière pas l'ouvrir à la mettre là, même si la Dominicaine ne l'ouvre pas là, faut qu'il prend tout au niveau de Malpass Jimani, Belader Elias Pin, en sapide Pédernal. Sinon, m'babba mati c'est salami la fête congé. Vous comprenez? Moi, magistrat, traverser l'autre bois, là, le pas là avec, bon, bien entendu, c'est instance qui sous frontière là, tant que douane et autres, mais je suppose, et je ne suis pas de mandat pour ça, je suppose que son décision, il prend lui-même, et je suppose son décision qui doit passer en conséquence, mais sauf que j'aime dire non, là, je suis sorti de l'autre côté de l'île, il est rentré, il a répondu à une question journaliste. Premièrement, je n'ai pas senti qu'il rassure la population ou bien le monde qui va gagner pour faire route là. Mais deuxièmement, je n'ai pas senti son homme d'État qui a parlé. En tout cas, ça, son opinion, il n'est pas forcément vrai. Reginald Robertson qui a une autre lecture. Guerrier du seul qui a une autre lecture. Donc, moi, qui ça me souhaitait? Quel que soit ça qu'il prend comme décision pour défendre les intérêts d'Haïti, il faut qu'il y ait cohérence là-dedans. Je ne veux pas pour les gens qui mettent à fond des choses, les gens qui font l'autre, et puis pour les gens en sapit, qui ont décidé de faire l'autre chose, les gens mal passé la trier. Il faut qu'il y ait cohérence. Tout ça qu'il prend comme disposition de notre côté, faut que moi qu'a senti sur les différents points frontaliers officiels. Parce que c'est ça la Dominicaine fait. Elle annonce que présence militaire, lui annonce que il y a des monde pour accéder à partir par eux, notamment commerçants, il faut que yo gagne données biométriques yo, avec il faut prendre empreinte digitale yo pour venir pour équipe bagaille, mais il fait sur tout point frontalier. Marrant ce gouvernement. Et ben nous autres tout m'pa vle pour nous quitter ces populations Wanamintes là, baron dit bien dit qui en face la République dominicaine. Mais que l'était Wanamint, que l'était Malpass, que l'était Belader, que l'était en sapitre, faut y voir que gagne même synergie, même cohérence, même solidarité, même fougue, même bataille là. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je souhaite. Vous comprenez? Originaliste, c'est ça le doyer. D'accord, mon conseil ça original. Ou après, une image qui font tollé pendant journée hier là, une image côté ouais des Haïtiens qui en ligne qui pour aller bail blanc dominicain donner biométrique, yo dit moun sa c'est des commerçants quand même qui malgré moun yo campé au campé wana maintenant décider eux-mêmes fait de l'autre bagaille, on considère mon zao comme des traites, comme des sous-sous. Moi-même, j'étais très intéressé qu'on ait qui ça va aller, puisque on dit que ça passait au niveau de frontière haïtienne-dominicaine et Belader, Elias Pin.
faut coup de pied hier sous frontière là. Moi parler avec des confrères, moi parler avec des propriétaires de médias qui ont même très présents dans la rue à tout. On a parlé de Zamino fait de la Croix Junior, pour ne citer ça seulement. On parle avec confrères nos yeux justes, qui c'est des journalistes chevronnés l'autre bois, pour me dire, monsieur, ça qui passe, ça me tente comme ça. Et qui ça me joigne comme information? Même si au niveau de Belader, il n'y a pas de même configuration avec quoi la mettre sous frontière là, dans le sens que tu es capable de fermer en barrière si Dominique Anida ouvre pas là, bon bien que lui existe, oui, mais barrière haïtienne, il est tombé, pas vraiment gagné en disposition de sécurité vraie dans la partie panouan. Bien que pas eu à gagner, parce que pas eu à gagner belle grille, vous comprenez, et puis il y a une grosse barrière, mais l'autre avait c'est dans le panouan, où est son savant. Bref, ça sur l'autre débat, n'a retourné sous lui. Moi apprendre que Moun Belader, depuis les ont annoncé frontière après relouvrir au niveau de la République dominicaine, société civile là dans Belader était prêt des dispositions. Ils ont metté ça relais sous pied en brigade de surveillance. Qui ça vous fait? Ils ont barricadé route là depuis avant entrer dans la ville là pour empêcher qui ça? Pour empêcher machine à commerçant prendre direction frontière là. Avez-vous même tant yo rivé sur frontière là? Tout dans la nuit mardi pour l'ouvrir mercredi matin donc un paquet zone rentrée commune de la Der qui sont communes frontalières qui étaient bloquées dans l'idée pour empêcher toute marchandise ou bien tout le monde souvelait utiliser camion pour aller acheter ou bien pour aller faire échange avec dominicain.